Éternel Dieu de grâce, Papa, je te dis merci. Merci de m'accorder ce moment dans la prière et dans l'adoration et la louange. Avec tous mes bien-aimés qui sont connectés, je vous bénis, chers bien-aimés. Je vous bénis de toutes les bénédictions. Je bénis, il y a de ceux que nous oublions d'envoyer une petite bénédiction. Je bénis la sœur Monique de la Martinique. Ma sœur Jennifer, je te bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Ma sœur Brigitte, nous devons nous honorer, chers bien-aimés. Nous honorer. Je bénis aussi quelqu'un que j'ai rencontré dernièrement. Nous faisons un travail formidable. C'est un prêtre, le podcast, il est du Lamentin. Parce que nous ne devons pas rester dans notre petit tiroir, mais nous devons nous élargir, travailler aussi avec les autres. Ne pas dire « je suis ci, je suis catholique, je suis adventiste, je suis témoin de Dieu ». Non, nous devons travailler ensemble, bien-aimés, parce que je peux vous dire ce soir que nous ne pratiquons pas une religion, mais nous pratiquons une relation de proximité avec Jésus-Christ, une relation d'amour. Quand il a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé, il n'a pas dit d'aimer seulement Catherine et de ne pas aimer Mathieu. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire que la terre entière, nous devons nous aimer, chercher à changer la donne, d'accord? Je peux très bien dire que comme Dieu dit, par manque de connaissance de la parole, mon peuple est détruit. Nous le trouvons dans Osée 4, 6. Mais nous avons la connaissance maintenant. Même si nous ne savons pas retenir les versets, mais nous entendons, c'est médiatisé sur toutes les chaînes, l'évangile est médiatisé, dans toutes les assemblées. D'accord? Nous entendons la parole. Nous entendons comment sortir du trou dont nous sommes. Comment monter. Comment aller prendre le souffle. Comment regarder la lumière. Mais, ceci dit, nous avons passé 2 mois de confinement. Mais, au lieu que ça s'arrange, les cœurs deviennent plus méchant. Bien-aimés, faisons attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Déjà, nous avons une leçon avec le cache-nez pour que nous ne parlions pas trop. Mais quand nous parlons, nous devons savoir ce que nous disons. Maintenant, je bénis Dieu dans son excellence. Notre Dieu, il est excellent, hein? Excellent est son nom, excellent est sa force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Nous le chantons. Mais nous ne devons pas le chanter pour chanter. Nous devons le chanter avec nos tripes. Si nous avons la foi du cœur et non l'intelligence, nous verrons les bienfaits de Dieu dans nos vies bien-aimées. Nous verrons les bienfaits de Dieu dans la vie de nos familles. Nous verrons aussi les bienfaits de Dieu dans la vie de nos amis. David, il a dit au psaume 23, tu roins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. D'accord? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Hein? Et quand Dieu nous roint, ça veut dire qu'il nous remplit de sagesse, de bénédiction, il nous remplit de tout. Et ce qui est en nous, le côté positif qui est en nous,
Ce qui émane de nos cœurs doit déborder sur la terre, ça veut dire sur ceux qui sont autour de nous, chaque homme, chaque femme, pour un changement. Et c'est par le pouvoir de nos prières et par le pouvoir de nos paroles que nous pouvons faire tout cela. Prier, demander à Dieu un changement. Mais nous ne devons pas comparer la prière à une baguette magique. D'accord? La prière,